Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur le jeu Revhead. Et oui, pas de My Summer, car cette semaine, ni la semaine dernière, et oui, il est encore en retard. Et oui, il travaille beaucoup, beaucoup trop. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Revhead avec 5 clés à gagner. Alors, pas des clés pour ouvrir les maisons, ni les voitures, les amis. Parce que c'est des clés pour le jeu. Et oui, donc le jeu est à 20,99€, vous avez 5 clés. Donc on offre aujourd'hui 100€ de clés sur la Nicox Gamers TV. Alors pour faire simple, il va falloir aller dans la description. Et puis faire différentes choses. Alors c'est tout simple, c'est un petit truc que j'ai déjà vu chez certains youtubeurs. C'est plutôt simple à faire, vous n'avez plus qu'à cliquer, il ne faut pas s'inscrire et tout ça, vous inscrivez pas du tout. Enfin, c'est plutôt pas mal. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas être nombreux à regarder cette vidéo, parce que je sais que dès que ça y est, je ne fais pas de My Summer car il n'y a plus personne. Donc du coup, il y a 5 clés et vous avez beaucoup de chances de gagner la clé, forcément. Le tirage au sort aura lieu dans 15 jours. Après avoir posté cette vidéo, je vais faire partir le jour même. Donc on se retrouve dans le jeu, il y a pas mal eu d'évolution, on est sur les 1 an du jeu, on peut voir la belle évolution ici maintenant. Puisque, alors comment je fais pour avancer? Ah je sais pas, peut-être avec le volant? Non plus, je ne sais pas. Option Logitech, mais oui, mais comment je fais sans le Logitech? Hop. Ok, on avance, ok avec les flèches. Donc on peut voir que maintenant j'ai un petit bonhomme. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas puisque je découvre en même temps que vous. Je sais qu'il y a une maison. On va aller parler à Michel. Numéro 7. Ouh, ah voilà quand même. On peut lui parler? Salut, combien de carburant tu veux? Juste besoin de boire. On a bien compris le personnage. Alors hop. Alors, ceux qui ne connaissent pas le jeu Revhead, je vous propose d'aller découvrir la vidéo de découverte qu'on avait fait il y a 1 an, très précisément. Ça vous permettra de découvrir le jeu, il a pas mal évolué, hein. Et point de vue sur la carte aussi, il y a pas mal de choses en plus. C'est un peu relou, hein. J'avoue, la maniabilité n'est pas tip-top. Est-ce qu'on peut aller dans mon garage? Est-ce qu'on peut voir les voitures? Ah, je peux directement aller dans mon garage comme ça. Ok, je retourne dans mon garage. Voilà. Ma voiture est nickel, mais attention. Hop, paf, pif, paf. Oh là là, il n'y a plus personne. J'ai une voiture plutôt pas mal. On va aller faire un petit tour. Nous avons le volant, c'est parti. Je pense qu'il va falloir débloquer les zones. On va aller faire un petit tour quand même pour voir si ça a changé. Plusieurs vues, hein, comme d'habitude. Ah, on entend la tôle, du coup. La voiture, elle est pas super top, du coup, on entend les petits craquements de la tôle. Il y a eu plein de petites améliorations. C'est une flaque d'huile, ça? Oh oui, c'est une flaque d'huile. Ok, faut pas rouler dessus. Ah, excusez-moi. On arrive dans une station, gas. Bon, on peut faire le plein, je pense, mais c'est bon, j'ai assez d'essence. On continue. Je peux aller là? Ah, c'est un super circuit terre. Oh, on l'avait déjà fait. On va pas y aller. On va aller voir par là-bas ce qu'il y a. Ils ont refait la conduite des véhicules. C'est un petit peu plus sympa. Par contre, c'est très axé glisse. Mais pourquoi pas. La conduite est quand même assez arcade. Hein. Très arcade même. Mais bon, ça c'est plutôt agréable. Ce que j'aime toujours, c'est les sons du moteur dans ce jeu, parce que des V8, etc. J'aime bien. Alors ça, c'était le circuit. On avait vu aussi, on avait fait la troisième vidéo, je crois qu'on avait fait sur ce circuit. On continue. Je vais faire la course, c'est l'endroit où elle est. Ok. On pourra y aller par le garage après. On va faire un petit tour après en mécanique, voir un peu ce qu'il y a eu, des nouvelles voitures. On va regarder aussi les journaux.
On va faire un petit tour hein, rapide sur le jeu, on va refaire une série, je pense. Sauf si je vois que ça vous plaît, etc. Alors, on pouvait monter à la montagne là, un 5-8-5 après. Je crois qu'ils avaient une ville normalement. C'est quoi ça? Attends, non, 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 stop, 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 stop. Quelque chose là. Je connais pas ici. Je crois qu'ils ont rajouté une ville. Une grande ville, hein, avec des buildings, etc. On peut faire des courses de dragster maintenant, etc. C'est pas mal quand même. Mériterait peut-être que je m'intéresse un petit peu plus à ce jeu. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires hein, ce que vous en pensez. Je trouve ça pas mal. Ça vous dirait plus une série là-dessus. Je vous avoue que My Summer Car, j'ai un peu la flemme de remonter le moteur. Karachin, on va y aller. La course en Australie n'est pas seulement sur le sable rouge et la poussière. Cette piste a été faite à partir d'une route de bitume existante dans la brousse. C'était une piste rapide et difficile avec beaucoup de virages et dénivelés. Ok, super. Je vous avoue que ouais, My Summer Car, j'ai un peu la flemme. Je vais y jouer, mais pas tout le temps. Je vous ferai des vidéos de temps en temps, My Summer Car. Je vais essayer de un peu plus varier les plaisirs parce que je commence à saturer, je vous avoue. Donc, faut pas non plus se forcer, c'est pas le but. Donc, quand j'aurai envie, quand ça me fera plaisir, je vous ferai de temps en temps. Ça sera le petit fil rouge de la chaîne, le My Summer Car. Mais voilà, on viendra voir du Reved. À faire pourquoi pas 2-3 vidéos sur PUBG, je vous montrerai mon skill tout pourri. On va essayer de, voilà, de diversifier la chaîne, je sais que je vais perdre des vues, c'est normal, si le jeu m'a pas plus sec, mais bon, si je fais ça pour l'argent, ça fait longtemps que je vais m'arrêter. Donc je m'en fous un peu. Monte, ah ouais, là apparemment. Il y a des maisons, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être la forêt de Yashin, le circuit dans le bush. Ah, ok. Je peux pas y aller pour l'instant, peut-être il faut le débloquer ça. Ça peut durer longtemps. Ah, on entend comment. Le moteur commence à fatiguer. Alors, les moteurs s'usent assez vite hein, dans ce jeu. Mais bon, c'est un peu le but. Hein. Vous allez changer, réparer, faire évoluer votre voiture. Vous pouvez passer d'un simple petit moteur 4 cylindres à un gros V8. Alors, le jeu est assez permissif là-dessus. C'est plutôt cool et reste en plus assez réaliste. Donc, c'est un petit jeu que je vous conseille. C'est vrai qu'il y a un petit peu cher pour 20 euros. Donc, le giveaway. Je rappelle le giveaway sur la chaîne. 5 clés à faire gagner. 5 clés à faire gagner. Michel qui habite ici. 5 clés à faire gagner. Donc, ça va être tout con. Ah, grande ville. La police. La police, ça. Une course. Alors, tu te sens de la course de drague, mon petit gamin? Je vais parier 500. Allez. Parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Ok, donc il va falloir la jouer sur le pilotage parce que la vitesse, c'est pas gagné. Le bruit. Le bruit de tôle et tout. Alors on va l'avoir au virage là. On va lui faire un petit coup là. Hop, on va aller reprendre l'intérieur. Mais pousse-toi avec ton gros 4x4 tout pourri là. Oh, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe.
On voit pas, on voit pas. Ah, j'ai une touche pour les phares, je sais pas. C'était pas celle-là. Ça, c'était pour couper le moteur. Non, il va me doubler. Ah, on va essayer ce bouton-là. Non, ça c'est le frein à main, ok. Non, 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 non. J'essaye mes touches. Il va bien avoir des phares, à moins qu'ils soient pétés peut-être. On va essayer de se le refaire. Allez, 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 allez. Ça passe, ça passe. On va passer à quatrième, mon gratte est mort. Et je vois plus grand chose. Vous non plus, parce que YouTube a sombré les vidéos, comme vous le savez. Je pense que c'est la fin de la course. Course terminée. On peut retourner au garage, là, directement, ça serait bien. Oui, voilà, c'est mieux, peut-être faire 500 km. Allez, faire un petit tour dans les voitures, voir ce qu'il y a de nouveau. Et puis on va se quitter là-dessus. Alors, ah ouais, ça par exemple, ça par exemple. Ah, on peut voir directement maintenant un GTV6, 480 chevaux, oui monsieur. Combien, 58 000, alors je n'ai pas l'argent. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Celle-là, les Wanja, là, une espèce de pick-up sympa. On a la Kanji 4x4 pour hors-piste. Ouais, elle est bonne voiture quand même. Il y a de quoi faire. Tuk-tuk. Oh là, Kanji démoli. Ok. Ah oui, bon, c'est pas la. Oh, celle-là, Panadia. Celle-là, elle est neuve. Elle est récente, je veux dire, c'est une nouvelle, ça. Panadia Sport 9. Waouh. Et donc, après, on retrouve toutes les pièces. Alors, ça, c'est un peu. Pour moi, c'est le côté un peu rebutoir du jeu. Parce que c'était tout marqué. Il n'y a pas de dessin. C'est très austère. C'est pas très sympa. Mais bon, une fois que je pense qu'une fois que vous connaissez un peu comment c'est rangé, ça va mieux aller. Mais ça vous permet, par exemple, vous voyez, on peut voir ici un moteur. Je peux acheter des moteurs, les remplacer. Et si je fais un peu de mécanique, voilà, en gros. Là, on peut voir que déjà, il y a pas mal de pièces qui se sont usées, déjà. Celle-là, on peut la réparer. Voilà, ça marche comme ça, c'est assez simple. Démarreur réparé. On peut voir que normalement, il y avait quoi? C'était quoi ça? C'est neuf, ça? Ah, elle est en bon état quand même. Elle est toute pétée, mais elle est en bon état. Elle est en bon état. Je pense qu'on a fait le tour. Ça, c'est quoi ça? Ah ouais. Ah si, je voulais voir la carte, du coup. On va finir sur la carte. Je peux pas aller voir la carte. Ah si, il faut que je baisse ça, peut-être. On va aller voir la carte, ici. Alors, on est là. Yakajin Country. Là, il y a une route fermée qui va mener à la country de Kangourou. Là, c'est en construction encore. Donc, on voit qu'ils vont rajouter encore des choses. Ici, on a un garage. Ici, on a des magasins. Qu'est-ce que c'est que ces magasins? On va aller voir. Tiens. On va partir. Magasin. Je m'en fais pour reconduire déjà. C'est ici. C'est quoi ce magasin? Comment je fais pour. C'est les vues. Ça va être ça les phares. Ils sont pétés. On va aller voir s'il y a des magasins. Il n'y a rien en fait. Je vais me payer un truc, je vois rien. Ah, je vois rien. Oh mon dieu, je vois plus rien. Wow. On est dans un fossé, j'ai l'impression. Voilà, n'hésitez pas à participer à ce petit concours. Ça fera partir les clés. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oublie pas le petit pouce, à partager. Et dites-moi dans les espaces commentaires si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos là-dessus de temps en temps aussi. Allez, ciao, ciao.